J'ai un bagage important à travers notamment dans la danse des cinq rythmes, le movement medicine. Un travail également que je poursuis avec des chamans, Quechua, Pacos. Et j'ai travaillé également avec des chamans Sami. Ce qui m'a permis de créer un lien entre la danse-thérapie, le contact corporel immédiat avec son être, qui est avec son corps, qui est le livre que nous sommes, et celui qui est encore en devenir, de repérer les espaces figés dans le corps, les espaces en souffrance, dont la lecture se fait particulièrement bien. Lorsque l'on est évidemment thérapeute psychocorporel. Et j'utilise en plus les rituels chamaniques qui vont nous aider, non pas comme un support, mais véritablement comme une ossature, à pouvoir symboliser, ritualiser tous ces espaces de nous, à travers les archétypes également, qui sont en souffrance, et de manière à pouvoir les évacuer, prendre un certain recul aussi. C'est-à-dire, on ne va pas complètement évacuer. C'est un petit peu comme si on parlait d'une cicatrice. Nous avons des cicatrices, tous, autant que nous sommes. Et le fait déjà de les travailler en groupe permet de faire un effet miroir et ainsi de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, que beaucoup d'entre nous ont quelque part les mêmes cicatrices, même si ce n'est pas la même histoire.